Claude Berthaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un grand passionné des 24 heures du Mans, comme on peut le voir. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord le véhicule, la voiture que vous avez dans les mains? Alors c'est un véhicule Lego qui ressemble un petit peu à Pescarolo, comme moi je suis un fan de Pescarolo depuis des années. Donc j'ai eu le Père Noël m'a emmené ça, donc j'ai monté ça pièce par pièce. Oh, ça m'a valu plus d'un mois et demi de boulot quand même. C'est un véhicule électrique? Ça sera électrique parce que le moteur je ne l'ai pas encore reçu. Alors, est-ce que vous pouvez également nous présenter la vitrine de miniatures que vous avez là? Alors là, j'ai environ 98 petites voitures à l'échelle 1/43e, de toutes les marques des 24 heures. Elles ont toutes couru les 24 heures. Et donc, j'ai des marques particulières, bien sûr, Jaguar, c'est important. Il y a Aston Martin, bon, Porsche, on sait bien que Porsche, il est toujours là. Ferrari, qui est un peu ma passion, la Ferrari. Et puis des voitures régionales comme Rondo, bon, Matra c'était quand même Pescarolo, Panhard, bon ça c'était une histoire aussi. Hein, Le modèle préféré c'est lequel? Ah, moi j'aime bien les Matra, c'est un peu ma, c'est un peu l'histoire de Pesca quoi. Ma petite Ferrari bien entendu, mais j'aime bien Ferrari, Porsche, Ford plutôt, qui va donc cette année s'affronter un peu, ça va, je pense que ça va être une belle course.